So are you ready? Come on! Salut à toutes, salut à tous, c'est Lund et aujourd'hui on se retrouve pour le 23e, je crois, 22 ou 23e, je sais plus, épisode de notre Let's Play sur Far Cry 3. Donc on va tout de suite reprendre, la dernière fois on avait vu Hoyt. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme je disais la dernière fois on avait vu Hoyt, donc là, comme d'habitude, le petit appel qui ne sert à rien. Mon frère, il a besoin de moi. Jason, tu es un guerrier Rakiat. Oublie ton passé. Tes liens familiaux t'affaiblissent. C'est mon frère. N'oublie pas, nous sommes ta famille maintenant. Alors, donc la dernière fois, j'avais changé deux armes du coup. Ma mitraillette qui était devenue, bah du coup j'avais ramassé ça à la mitrailleuse lourde, donc je la gardais pour le moment. Et mon arc, j'ai un bazooka à la place. Mais pour l'instant je n'ai pas toutes les munitions qu'il me faut. Alors si je regarde ma carte, il fallait que j'aille où déjà? Il me semblait que c'était vachement loin, ouais c'était ici. Ah non. Du coup je peux me téléporter on va dire, ici. Et il y a un camp juste à côté. Avant je fais le camp, tant qu'à faire. Par contre, ouais, c'est là. Je me fais le camp avant. Étant donné que c'est juste à côté, donc. Au moins. Hop, allez. Oula, j'ai failli tomber. Allez, Coco. Voilà. Comme ça, ça sera fait. Hein. Alors, on va essayer de marquer tout le monde. Alors, il y en a un là. Il y en a deux là. Il y en a un là. Et il y en a un là. Plus personne d'autre. Ça a pas l'air. Déjà, ce que je vais faire, c'est hop, casser l'alarme. Deuxièmement, je vais tuer ce gros mastoc ici. Étant donné que il est vraiment pas gentil. Et qu'il fait des bobos, hein, tout simplement. Alors, par ici, lui, il est mort, voilà. Allez. Voilà. Bon, vraiment très simple. Hein. Voilà. Et il en reste un là-bas, qu'on va se faire au bazooka. Et en même temps, on va exploser la voiture. Quoique non, c'est trop risqué. Je préfère lui viser dans la bouche. Au moins, c'est sûr et certain qu'il est mort. Du coup, il reste qui? Ah, il y a peut-être des ennemis là en bas. Eh oui. Il y en a un ici. D'ailleurs. Hop, de toute façon, ils peuvent me repérer. Je m'en fous. Vu que ils ont... Enfin, j'ai cassé l'alarme. L'ennemi en question, je sais pas où il est. L'ennemi qui me repère quand je m'approche. Du coup j'envoie une grenade au cas où. Alors lui là-bas, j'ai essayé de l'avoir dans la tête mais... Ouais, ça marche aussi. Du coup où est le dernier? Ça je ne sais pas. Là, ici. Voilà, c'est bon, je l'ai repéré. Du coup il est mort, c'est sûr et certain. Bon, je fais ce qu'en vite fait, hein, vraiment. C'est pour pas avoir à le refaire dans un autre épisode, de toute façon. Merde, raté. Ah, putain. Voilà, parfait. Je l'ai eu avec ma grenade. Et puis aussi ça me permettra de reprendre des munitions vu que j'en avais besoin. Hop, non repéré, avant-poste libéré et tout et tout. Tiens, par ici il y a peut-être un petit cadeau. Je regarde juste rapidement parce que généralement il y a des trucs sympas dans les grottes. Hop, par ici il y a rien, par ici il y a rien.
Ici en bas, il n'y a rien. Allez, on se casse. Je vais reprendre des munitions et après je vais partir. Et comme le demandait quelqu'un dans les commentaires, je vais garder le bazooka étant donné que je n'utilise de toute façon pas l'arc, donc je vais le garder. Par contre, la mitrailleuse lourde, je vais la virer. Et peut-être, si j'ai assez d'argent, prendre une autre arme, on verra. Déjà, je vais reprendre des munitions. Ici, munitions, remplir l'inventaire. Ouh, ça coûte cher tout ça. Ensuite, on va vendre toutes les conneries qu'on a pu ramasser. Allez, hop, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux prendre pour... à la place de ma mitraillette, à la limite, le Space 12. Il est sympa, le Space 12. J'aime bien, c'est une arme que j'apprécie particulièrement. Viseur laser ou viseur réflexe? Vision nocturne, magasin. Peut-être lui mettre une petite visée laser. Ok. Et un magasin augmenté. Parce que ça fait plaisir. Voilà. Et donc je m'en équipe à la place de la PKM. Voilà. Et le reste pour le moment, ça ira bien. Du coup, j'en profite pour me faire un petit voyage rapide près de notre quête. Allez, c'est parti. Alors, on est prêt. On va aller tout de suite à la quête. Je sais pas du tout ce qu'il fallait faire. Ah oui, on avait détruit le réseau pour communiquer de Hoyt. Et là, je sais plus ce qu'on allait faire. Enfin, on allait encore foutre le bordel, hein, de toute façon. Notre but est de pourrir Hoyt, donc on va aller voir. Alors, bonjour Sam. C'est ta caisse à outils? Ouais, des petits cadeaux. Il y a bien longtemps que je rêve d'allumer les bougies et de tout faire péter, comme on dit chez nous aux États-Unis. Sam, t'es américain? Yeah, mon père était dans les Navy Seals. Je suis né alors qu'il était au Texas. Ensuite, il a été réaffecté en Allemagne. Ah, l'oncle Sam. Je comprends maintenant. Yeah, un des pères fondateurs, je crois. Je serai toi, je vérifierai. Laisse tomber. Allumons les bougies de Scarto. Pas de problème. Et en plus, c'est moi qui conduis. En voiture, Simon, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Pense au dépôt de carburant. Je te couvre avec la mitrailleuse. Ok, alors t'en fais pas, je suis un vrai pilote, hein. Tout le monde le sait ça. Et boum! Faut faire quoi là? Descendre? Ok. Non? Mais genre... Non? Comment qu'on fait? Merde. Et comment on fait? Excusez-moi, monsieur, dame. Toi, tais-toi. Mais je sais pas du tout comment on fait pour exploser ces trucs, hein. Ah, c'est par ici. Ok, d'accord. Pas très clair, hein, leur quête. Généralement. Allez, vite, 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 vite. Je monte. Et je me casse. Toi, au revoir. Et boum. Ça, c'est plus proche. Aïe, aïe, aïe. La caméra qui faisait n'importe quoi. Allez, Sam, protège-nous. Alors Sam qui prend cher mais qui se régénère vite, hein. Allez, moi je me casse. Allez. Ouh, je lui ai mis cher lui. Allez hop. Maintenant je vais quand même faire gaffe parce que Sam est tout seul. Allez, vite, 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 vite.
Aïe 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 aïe. Non mais casse-toi. Voilà, parfait. Et ça me va bien, donc ça c'est cool. Ok, oh il y en a plein. Ouch. J'aurais peut-être pas dû sauter. En tout cas, j'ai bien fait de prendre ce fusil à pompe. Et merde. Ça c'est pas cool par contre. Hop, je me soigne. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Alors attention parce que c'est un peu le bordel. Allez. Ça c'est bon. Par ici, il y a toi là. Hop, t'es mort. Bon, Sam, il gère, c'est bon, il est toujours pas mort. Du coup, hop, on casse ça. Et je me casse. Par contre, j'aurais dû mieux garer la bagnole à chaque fois. J'ai peur de me faire exploser en partant. Enfin bon, allez, hop. Aïe, 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 aïe. Voilà, je vais pas me faire avoir. Je me gare bien. C'est moi ou les ennemis viennent d'apparaître comme ça. Bon allez. Allez hop, on va mettre la dynamite. Et on va se barrer encore. Pourquoi à chaque fois il me prend le sniper, putain? Je veux pas d'un sniper, je veux mon fusil à pompe. Allez, on se casse là aussi. Il y en avait un qui avait un bazooka, là, ça me rassurait qu'à moitié. Enfin bon. Allez, tout se passe bien. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ok, il y a une voiture invisible ici. C'est quoi ça? Alors, c'est là où il faut poser la voiture, ok. Ok, pourquoi pas. Voilà. C'est bon ? Ok, donc là, on échange de rôle. C'est parti. Ouh, ça, ça fait plaisir. Ouh, ça, ça fait plaisir aussi. Aïe aïe aïe, je me soigne. Et on va continuer. Hop. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Toi aussi là-bas. Allez, on se fait plaisir. Je le vois pas trop conduire hein. Je dis ça mais je dis rien mais... Allez 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 allez. Ça va péter. Oui, il y en a un qui a voulu s'amuser là. Avec un jouet que j'apprécie pas trop. Il dit quoi? Ok, fais gaffe quand même. Voilà. Je me suis fait l'hélico. Bah, ça va trop vite pour moi ça. Ouh là là, où est-ce qu'il va lui? Hep 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 hep. Ouh là là, et il conduit pire que moi hein, Sam. Oi 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 oi. Ouh. Eh bien. La victoire est à nous. On a réussi. America Foca. On n'a plus qu'à finir en beauté et saigner Hoyt pendant le poker. Là on va bien rigoler. Yeah. Rejoins-moi au cantonnement de Reut. Ok, d'accord. Alors là par contre niveau munitions je suis un peu short avec mon fusil à pompe, il est quasiment mort. Enfin bon, c'était drôle. Mais je vous avouerai que j'ai eu des petites frayeurs hein, quand même sur la fin quand il conduisait. Il était pas très rassurant. Je vais juste voir ce que c'est ce camp en haut là.
ce petit campement. Ça m'a l'air intéressant. Alors. Oh, c'est juste un coffre. Bon. On peut pas dormir. Ok. Bah écoutez. Oh, il y a encore des ennemis. Vous êtes sérieux? Non. Non, c'était juste un drap. Ok. Bon, bah on a bien avancé là. Donc Hoyt n'a plus d'essence et il n'a plus non plus de communication, enfin de réseau de communication, ça c'est cool. Ici il faut aller jusqu'au complexe, ok, je regarde un petit peu ce qui se trouve autour. Ok, bon bah on va directement au complexe, quoique j'aimerais bien racheter des munitions avant. Donc poste de commande du pont, quai de breakdown. Bon, vous savez quoi, on va aller là parce que là je sais que j'ai un camp où je peux avoir des munitions. Ouh, alors, on va acheter des munitions par ici, remplir l'inventaire, on va vendre le truc qu'on a trouvé là, hop, voilà. Et on va se re-téléporter vers, donc là cette fois-ci, la mission. Alors, je vais reprendre mon fusil à pompe parce que il est vraiment très intéressant à ce fusil. J'ai bien fait de prendre le magasin amélioré. Alors hop, j'ouvre ça. Une trousse de soins. C'est pas un gilet pare-balles ça, non. Ça a l'air d'être le bordel dehors. Je sais pas si vous avez entendu. Alors, par ici, il n'y a rien. J'aurais bien voulu un gilet pare-balles, c'est toujours intéressant, mais enfin bon. Alors, la mission est par ici. Donc là, on est au complexe de Hoyt, hein. Comme vous l'avez remarqué. Et on va donc rejoindre Sam. Mais il fait peur le mec. Et hop. Bonjour Sam. Ça y est mon ami. Tu es prêt à y aller? Ou tu veux plus de temps? Parce qu'une fois lancé, faudra aller jusqu'au bout. Au-delà de ce point, l'accès à l'île, aux quêtes et aux activités sera limité. Vous pourrez continuer lorsque votre voyage sera terminé. Continuez. Ouais. On approche de la fin, là, quand même. Hein. Allez. Donc là... J'ai caché un couteau dans ma botte. Détourne son attention quand je dirai le mot deal. Ok, compris. Ah, dès qu'il dit le mot deal. Bienvenue, messieurs. Entrez. Asseyez-vous. Il y a deux hommes, quand même, armés. Ouais. Est-ce que je vous offre quelque chose? Vous avez faim? Des noix peut-être? Non. Non, ça ira. C'est du boulot, le poker. Ceux qui n'y connaissent rien vous diront que tout dépend de la chance. Ou ce cher Sam ici, il dira que c'est l'art du bluff. J'ai raison, Sam? Yeah. Pas du tout. Hein? Vous fait juste jouer jusqu'à ce que la banque gagne. Alors, je ne m'en lasserai jamais. Quelles sont mes cartes? Ouh, ça c'est une belle, un beau début. Mais écoutez, je vais suivre. Hop. Allez. Donc là, il brûle une carte et il en révèle 3. Ça me fait une paire de 10. Il relance. Moi aussi, je vais relancer. Comment on fait pour relancer? Normalement, c'est la flèche du haut, non? Comment on fait pour... Ah, voilà. Je relance encore. Je vais relancer. Ouf. Ils jouent les fous, les mecs, là. Il brûle une carte, il en révèle une. J'ai toujours qu'une paire. Il check, moi. Je vais relancer, histoire de leur faire un peu peur. C'est le pot. Suivi pour moi. Alors, attention. Ouh, une double paire. Je check. Il check moi. Je vais en donner pas mal là. Hop. Je relance. Je vais suivre. Suivi. Putain, il doit avoir du jeu pour me suivre comme ça. Moi, j'ai une double paire.
T'es sérieux? Ah, regarde ça. On a les mêmes cartes. What? Alors, rendons ça intéressant, d'accord? Foster, Jason Brody, quel que soit ton nom, franchement, je m'en fous. Tu crois vraiment que je suis aussi stupide? Continuons la partie. Le donneur à gauche, c'est ça? Oh mon dieu. Il sait que je suis Jason Brody. Et il a tué ça. Je crois qu'il passe son tour. Alors, j'ai vu tes retrouvailles avec Riley. Ça m'a tout remué. Et peu de choses m'émeuvent. Mais je l'admets, je ne te croyais pas aussi dur. Torturer ton propre frère. Détruire la moitié de mon organisation. Jouer sa vie. Ouais, allez. Sinon, j'ai pas le choix. Et j'ai quoi, moi? Putain, j'ai... Non. Mais... La vie, c'est comme le poker, hein? Je te pardonne. Alors, ton prix sera le mien. Tout le monde a un prix. Il y a les pantins et ceux qui tirent les ficelles. Le système est conçu pour fonctionner comme ça. J'emmerde ton système. 4-4. On peut pas relancer ou quoi, de toute façon on est obligé de jouer sa vie. On n'a pas vraiment le choix. Alors, qu'est-ce qui nous attend? J'ai une paire. Tiens, tu vois, Jason, j'ai pas envie d'être un salaud vu que tu te bats pour ta famille. Un doigt à chaque main perdue. Mais là, j'ai gagné. Eh mec. Je vais commencer. Mais j'avais une paire. Oh, Jason, c'est sûr qu'on va jamais se marier là. Tu sais que t'aurais pu te joindre à moi. T'aurais gagné un beau tas de fric à chaque meurtre. Je t'emmerde. Ah, c'est encore une fois le machin QTE. C'est un plaisir à faire ça. C'est vrai, je te jure. J'ai pas besoin de 10 doigts pour manier un couteau. Je faisais déjà ça avant que tu viennes au monde, fiston. T'attends, vieux débris. Tu me déçois énormément, tu sais, Jason. Tu ne m'as pas demandé de nouvelles de ton petit frère Riley. Où est-ce qu'il est? Assure-toi, je l'ai vendu à un ami très spécial au Yémen. Il est un jeune. Ouais. J'ai de très puissantes relations qui te pourchasseront. Personne ne retrouvera ton cadavre. Merde, oula. Mais non, j'ai fait clic droit. Eh hey mec, j'ai fait clic droit. Peut-être un peu trop tard, mais j'ai fait clic droit. On va recommencer du coup. Mince. Oh, Jason. C'est sûr qu'on va jamais se marier là. Tu sais que t'aurais pu te joindre à moi. T'aurais gagné un beau tas de fric à chaque meurtre. Je t'emmerde. Allez. J'ai aucun plaisir à faire ça. C'est vrai, je te jure. J'ai pas besoin de 10 doigts pour manier un couteau. Je faisais déjà ça avant que tu viennes au monde. Je vais me concentrer. Vieux débris. C'est chaud, hein. Tu me déçois énormément, tu sais, Jason. Tu m'as pas demandé de nouvelles de ton petit frère Riley. Où est-ce qu'il est? Assure-toi, je l'ai vendu à un ami très spécial au Yémen. J'ai de très puissantes relations qui te pourchasseront. Personne ne retrouvera ton cadavre. Ah, c'est bon ça. Je ne peux pas gagner. C'est moi qui coupe les cartes.
cet avion parte sans toi. T'es en train de vol. Ouch. Et pourtant il s'est pris un coup de couteau dans le dans l'épaule. Ouh. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur Z. Bon, c'est pas grave. Ça devait être un coup de boule ou un truc comme ça. En tout cas, voilà. Ça, c'est fait. J'ai perdu un doigt, mais lui, il a perdu la vie. Je pense que c'est un bon deal quand même. Le pauvre Sam, qui est mort. Paix à ton âme, Sam. Alors, il faut que je me casse. Allez, hop. Et on y va. On fonce. Je vais recharger un petit peu. Allez. Hop, on éteint ça. Et on se casse. Hop, on envoie une petite grenade qui va me couvrir. Et on va foncer à l'aérodrome. Allez, c'est parti. Faut se dépêcher pour pas que Riley soit... se fasse avoir quoi. Oula. Allez, faut se dépêcher. Wouhou. Je suis passé. Bon, j'aurais pu passer par la mer, je crois que ça aurait été un peu plus safe. Mais bon. Ah. Allez. Allez. On va encore faire un petit truc au pont. Un hélicoptère maintenant. Super. Allez. Alors il est où? Je dois faire un tour d'hélico? Il se passe quoi? Je dois aller où? À la limite, j'ai mieux. Ah non, c'est bon. Dans un de ces bâtiments. Alors, par où on passe? Par ici. Allez. Est-ce qu'il est ici? Non. Il a pas l'air. Mais il est où? Comment on peut faire pour rentrer dans cette merde? Bah ouais, je sais bien. Hein. Ah, c'est par ici en fait. Hop, on se soigne. Alors, est-ce qu'il est là? Oh, j'ai reçu du premier coup. J'ai réussi. Dieu soit loué. Merde, je savais pas si tu viendrais. Il faut foutre le camp. Ok, viens avec moi. J'ai cru que je te reverrais. Alors, si en plus faut le protéger, ça va être la merde. Allez. Putain. Voilà, parfait. Putain, t'as pu la tirer le corps? Non.
jamais trop tard pour apprendre. Quoi ? Oh merde. Ok. Par contre, là, aux pompes, sur le... Ça le fera pas. Ah, ça va, il y a une mitraillette. Incorporée. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Yeah. C'est quoi cette musique de merde ? La musique n'est absolument pas adaptée, hein. C'est n'importe quoi. Allez, putain comment il frôle les machins lui. Cool. Ouch. C'est n'importe quoi en tout cas la musique, hein. Je les allume dès que je les vois, hein. C'est cadeau ça. Je sais pas ce que c'était. Non, y'a plus de pont. Ta 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 ta. En tout cas, on a tué Hoyt. Ça, c'est beau. D'ailleurs, fallait que je vous dise, j'ai oublié de le dire. Pour ceux qui ne suivent pas le let's play sur Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands tout court, il faut savoir que j'ai terminé le let's play sur Borderlands 2 et que comme le prochain DLC sort seulement en juin, fin juin, je commence le prochain let's play qui sera donc sur BioShock Infinite, donc si ça vous intéresse, ça sera le samedi. Et si là c'est le dernier épisode, bah, il faudra que je trouve, enfin que je regarde le deuxième, on va dire, gagnant à ce au sondage que j'avais fait pour la vidéo 2 ans, pour remplacer ce let's play. Enfin bon, pour le moment, je sais pas si ce sera le dernier épisode ou pas, mais si c'est pas le dernier épisode, en tout cas, on aura le nouveau let's play de BioShock Infinite le samedi. Si ça vous intéresse, vous êtes conviés, hein, à regarder. Bon, par contre, la musique là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quoi ces hélicos ? C'est des méchants, des gentils ? C'est des méchants. Allez. Je me suis fait deux hélicos, le troisième j'arrive pas. Faut que je me fasse le pilote, mais la fenêtre... Ah voilà. La fenêtre était assez réduite. Bon, notre hélico commence à faire un peu la gueule, hein. Il clignote, mais... C'était vraiment chaud. Mais on a fini. Parfait. Alors, on arrive et on voit que la maison est en feu. Donc déjà, ça annonce pas une bonne nouvelle. Alors, j'ai quelle arme déjà, je ne sais pas. J'ai la bonne. Bon, du coup... Oh, le vieux, il est mal.
Ah, il est pas mort. Et mes amis, où sont mes amis? Je n'ai pas pu arrêter les guerriers de la jungle. Je suis désolé. Ils ont conduit vos amis. Vers le... temple. Les guerriers de la jungle vers le temple? Normalement, c'est des amis, non? Ils parlent des Rakat, non? S'ils parlent des Rakat, je comprends plus rien. Ouais, lui aussi, il comprend pas, ça me rassure. Mais ouais, c'est bizarre cette histoire. On va pouvoir récupérer des munitions là. Tant qu'à faire. Tant que ça serve. Hop, est-ce que je peux vendre des trucs? Je peux vendre ça. Mais ouais, c'est étrange cette histoire. Ok. Et ici, une trousse de soins. De l'argent. C'est bizarre cette histoire. Pourquoi les Rakat s'en prendraient aux amis de Jason? Pas normal ça. Alors, on va aller voir nos amis Rakat. C'est vrai que je ne comprends pas là pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Petra, qu'est-ce que tu as fait à mes amis? Je me réjouis de ton retour victorieux. Hé! Où est-ce que tu l'emmènes? Elle fait encore sa magie. Eh merde. Regarde-toi. Fort. Grand, puissant. Pourquoi voudrais-tu redevenir ce que tu étais? Aujourd'hui, tu es parfait. Tout est ma faute. Je t'ai laissé seul avec tout ce fardeau. La voie t'a purifié, mais la délivrance n'est pas terminée. Ce qui veut dire? Je t'aime, Jason. Mais tu ne me laisses pas te donner tout mon amour. Je sais que c'est difficile à comprendre. Et ta douleur me fait mal aussi. Citra. Je ne recherche que ton bien. Je veux t'aimer pour ce que tu es. Adorer l'homme que tu es devenu. Tout sera bientôt terminé. Je te conduirai à l'hôtel. Et tu seras libéré de ton passé. Ensuite, je serai à toi. Elle est pas mieux que son frère. Et cool, on est attaché comme des cons. Enfin, comme un con surtout. Et Citra. Après tout ce qu'on a enduré. Ouais, ça sent la fin. Cet épisode sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Mais c'est pour... Enfin, si c'est le dernier, c'est pour pas avoir un épisode de 10 minutes la prochaine fois. Marche sur la voie du guerrier. Tiens, il y a quoi par derrière? Bon, on peut pas aller voir. Je suis obligé de passer, hein. Allez. Ouh. Oh, j'ai la dague. Le plus fort peut survivre. Bonjour, monsieur, dame. Avec les Rakia, tu seras puissant. Comme ceux qui sont venus avant toi. Ok. Il ne sauve personne. Lisa ? Tu parles d'un guerrier ! Arrête de tirer dans le dos de face ! Puissant guerrier, tu as gagné le dernier tatouage. Ils tomberont tous à tes pieds.
Je t'appartiens. Tout est à toi. Ceci est ton île. Elle est folle. Il va poignarder Citra avec. Non, Jason, s'il te plaît. Je t'en prie, Jason, non. Non, fais pas ça. Pas ça. Rejoigne Citra, sauvez vos amis. Sauvez vos amis. Lisa, elle est tellement mieux que... Citra. Jason, mais pourquoi nous quitter? Tu ne seras plus un guerrier ni un héros. Tu verras que tes amis t'oublieront. Avec leurs enfants et leur petite existence. Reste ici. La jungle sera toujours là pour toi. Et tu seras toujours notre roi. Tu l'es et tu n'auras plus à partir. La violence doit cesser. C'est fini. Je ne tuerai plus. Jason, regarde-moi. Reste avec moi. Tu n'as pas besoin de tes amis. Ton indépendance est ta force. Jason, je t'aime. Jason, qu'est-ce que tu fais? Citra m'a sauvé. Elle nous a tous sauvés. Et tu me jettes sur la montre. Énorme. Je t'aime. Ah, pas moi. Je préfère Lisa. Me laisse pas. Désolé. Adieu Citra. Bon, toi t'as un peu mal, hein, Sam. T'es un peu dégoûté, je parie. Tu perds et le grand guerrier et Citra. Qu'est-ce que j'ai fait? Citra. Citra, pitié. Ne me laisse pas maintenant. Citra, je suis désolé. Citra, pitié. Ne m'abandonne pas. Et voilà la fin du let's play, donc. La fin de Far Cry 3. Waouh. Je pensais pas que ça allait être la fin de cet épisode. Mais elle est vraiment énorme la fin. Je m'attendais pas à tous ces rebondissements là. Je pensais pas que genre Sam allait être tué pendant la partie de poker. Je pensais pas que on allait se barrer comme ça en hélico avec Riley. Que Citra allait enlever tout le monde, qu'on aurait le choix de choisir entre nos amis et Citra à la fin. En mettrai jamais. Je suis un monstre. Et je sens toute la rage qui est en moi. Mais il reste autre chose, très profondément, de plus que ça. Voilà, Far Cry 3 terminé. En mémoire à Jens Junkmark. Je connais pas. Waouh. Franchement, c'est sûrement le meilleur épisode de tout le DLC. Autant par la surprise qu'il a fait. Parce que avec Vass, voilà, j'avais. Enfin, mon meilleur pote m'avait spoilé sans faire exprès. Donc bon, ça se. Enfin voilà, je. Je savais comment ça allait se passer, donc ça m'a pas surpris, donc ça a pas eu le même effet. Mais là, pour le coup, personne m'avait spoilé. Et je vous avouerai que tant mieux.
parce que waouh, il est énorme cet épisode. Je pensais pas que ça allait se finir là, comme j'ai dit. C'est vraiment surprenant comme fin. Et en même temps, elle est super bien déroulée. Enfin, franchement, c'est un des meilleurs jeux de 2012, honnêtement. Je sais pas quoi dire. Je suis un peu pris au dépourvu. Donc, j'espère que cet épisode et le let's play en général vous a plu. C'est pas les vidéos, enfin honnêtement, hein, c'est pas les vidéos qui m'ont fait le plus de vues. À part étrangement l'épisode 6 où je sais pas pourquoi il y a plus de, enfin je crois il y a 4000 vues, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi l'épisode 6 et pas les autres. C'est un peu débile d'ailleurs, je comprends pas, genre on prend un let's play en plein milieu, enfin c'est un peu chelou. Mais sinon ouais, c'est pas le let's play qui m'aura valu le plus de vues, et ça peut se comprendre. Il y a certains épisodes où je vous avouerai que j'étais pas en forme et que ça a pas été les meilleures vidéos que j'ai jamais faites. Il y a aussi certains moments qui sont pas passionnants, les moments où où je faisais des camps, c'était nécessaire, mais d'un autre côté, en tant que viewer, enfin en tant que joueur c'est cool, en tant que viewer c'est peut-être pas top, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que c'est... Et puis en plus, le graphisme, comme mon PC, c'est pas non plus une super bête de course. J'étais en minimal, donc c'est vrai que ça fait plusieurs raisons qui font que c'est peut-être pas le let's play de YouTube sur Far Cry 3 à regarder. Mais en tout cas, moi, je me serais fait plaisir à le faire. Ceux qui m'ont suivi, j'espère que vous avez apprécié, vous aussi. D'après les commentaires, y en a certains qui ont aimé. Et ça me fait extrêmement plaisir. Même si je faisais deux vues, si au moins les deux personnes qui regardaient se faisaient plaisir en regardant la vidéo, tant mieux. Et là, ça a l'air d'être le cas, donc c'est franchement cool. Je vous remercie pour être là, vous êtes plus de 700 maintenant. Et ça fait franchement plaisir de regarder ce let's play, de participer, etc. Donc c'est la fin de ce let's play. Oula, j'arrive plus à parler. En même temps, il y a 1h du matin là, chez moi. Quand j'enregistre. Donc ça fait franchement plaisir de finir ce let's play. En même temps, c'est un peu triste. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, que ce soit le let's play ou l'épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un petit commentaire sur si ça vous a surpris ou pas. La fin ou bien toute autre chose. Hein. Et n'hésitez pas à dire quoi que ce soit. Hop. Retourner sur l'île pour continuer l'exploration. Je fais oui, comme ça je pourrais quand même m'amuser encore après. Donc voilà. Waouh. Un let's play immense. Donc en tout cas, après la vidéo, du coup sur la fin, je vais vous mettre ce qui va remplacer Far Cry 3 la semaine prochaine, du coup. Parce que samedi, on va commencer le let's play sur Bioshock Infinite. Et donc, jeudi prochain, ça sera un nouveau let's play. Je sais pas encore du coup sur quoi ça sera. On verra ça donc juste après là. Donc on va se quitter. J'espère que ce let's play vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. À commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, parce que c'est aussi comme ça que ça marche YouTube, c'est avec le bouche à oreille que ça avance, qu'on se fait plus ou moins connaître et qu'on fait connaître nos vidéos. Donc n'hésitez pas à en parler. N'oubliez pas aussi que je suis sur Facebook et Twitter, donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre, c'est toujours dans la description de la vidéo. Et sur ce, on va se quitter. Regardez dans la description de la vidéo pour... n'hésitez pas à voir la suite de la vidéo pour voir sur quel let's play je ferai une vidéo la semaine prochaine. J'arrête de blablater, ça fait un peu longtemps là. Vous devez en avoir marre. 7 points de compétence. Je vais juste mettre mes points de compétence histoire que voilà, ça sera fait. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à suivre les autres let's play. Attendez, je finis ça. Allez, on va faire ça. Je prends les trucs au pif là. Allez, on va faire ça. Hop. Et ça.
Voilà. Ouh, plein de tatouages. Du coup, ben, à tout de suite pour voir sur quel let's play ça sera la semaine prochaine. Allez, à tout de suite.